Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Paulette de Poppy Bijoux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la spirale russe ou the Russian Spiral Stitch. Je suis vraiment contente de le faire parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans différents modèles de bijoux. Et je vous ferai une deuxième vidéo par la suite pour montrer comment l'utiliser en pendentif pour un collier lasso. Si vous voulez savoir comment faire le tissage de la spirale russe, continuez à regarder. Donc je vous laisse avec le matériel. Des rocailles Preciosa 9-0, des facettes de 4 mm de 3 couleurs différentes, environ 1,50 m de fil nylon transparent. Vous pouvez trouver du fil de pêche dans un magasin de bricolage ou même dans les supermarchés. Celui-ci fait 0,28 mm. Une paire de ciseaux. On peut commencer. Pour commencer, on va prendre une série de perles. Donc, on prend une facette et deux rocailles. J'ai des turquoises, des bronzes et des rouges marbrés. Donc une facette turquoise, deux rocailles, une facette bronze, deux rocailles, une facette rouge marbré, deux rocailles. J'ai cette série. Laissez quand même un peu une petite longueur à la fin ici du fil, de fil, pour pouvoir revenir plus tard et finir l'extrémité. Donc ensuite, vous tirez, forcément ça va remonter. Ensuite, la perle qu'on doit prendre, c'est la turquoise. Donc je prends une turquoise et deux rocailles et je rentre directement dans la rocaille qui est juste après la facette. Pareil, je prends ici, on va prendre la facette rouge marbrée. Donc je prends une facette marbrée et deux rocailles. Je fais pareil que tout à l'heure, je passe au-dessus de la rocaille et de la facette et je rentre directement dans la rocaille qui est juste après la facette rouge marbré. Si vous n'avez pas de fil nylon, vous pouvez très bien prendre du fil Fireline ou alors du fil KO ou du fil Nimo, un autre style de fil nylon en tout cas. On a fait le tour. Avant de reprendre des perles, je passe directement, donc on fait une sorte de saut de perles pour pouvoir recommencer une ligne. C'est comme dans le tissage peyote. Thank you.
rocaille bronze. Et je passe directement dans la rocaille bronze ici au centre, donc la troisième. On travaille uniquement avec les cinq qu'on vient de poser. Passer dans les rocailles jusqu'à mon fil ici pour pouvoir faire un nœud et on a terminé. Donc maintenant c'est à vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos pour que je puisse les montrer avant les vidéos pour pouvoir vous féliciter aussi parce que c'est quand même de la patience. Donc dans le prochain tuto je vous montrerai comment utiliser ça en collier lasso ou l'aria, je sais plus comment. Enfin moi on va dire un collier lasso. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !